vous vous engagez, regardez-moi s'il vous plaît, au moment que vous vous engagez comme Jacob avec l'autel, que vous vous engagez avec Dieu, automatiquement vous devenez ennemi du monde. On vit dans le monde, on habite dans le monde, mais on n'appartient plus au monde. On ne pense pas comme tout le monde pense. Ici, ce n'est pas notre patrie. On ne vit pas pour les choses physiques. On habite là, on a famille là, on a le travail là, on a une maison où on dort, mais on n'appartient pas au monde. S'engager avec l'autel, ça veut dire devenir ennemi du monde. Et vous serez persécuté à cause de ça. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des humiliations, des injustices, des persécutions. Désormais, l'instant que vous vous engagez avec l'autel, automatiquement, le diable va se lever contre vous. Parce que vous ne servez plus le monde, le diable. Qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Le moment où les trompettes vont sonner et Jésus apparaîtra là pour me chercher, je vais monter avec lui. Quand on a cette foi, on vit qui pour plaire Dieu. On ne vit pas pour plaire la famille. Bien sûr qu'on ne va pas se fâcher avec la famille, non. Mais quand je dis qu'on ne vit pas pour plaire la famille, ça veut dire que la volonté de la famille, ce n'est pas la principale ou notre objectif de vie. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair, monsieur? Qui comprend ce qu'on parle? Hein? On vit avec une idée, un objectif. Je dois me préparer pour monter. Je vais lutter pour les conquêtes. Je vais manifester la foi que l'Ancien Testament m'enseigne. Foi pour guérir, foi pour prospérité, foi pour vaincre, foi pour prendre possession. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est savoir Jésus viendra, les trompettes vont sonner et mon nom sera appelé. Je dois être prêt. Pour être prêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer mes ennemis. Il faut maintenir le cœur pur. Il faut avoir la foi pour pardonner celui qui m'offense. Pour comprendre celui qui est contre ma foi et qui me critique, sans garder quelques mauvais sentiments dans le cœur. Si dans mon travail, il y a quelqu'un qui me persécute, il y a quelqu'un qui essaie de m'apporter le préjudice, il y a quelqu'un qui essaie de m'humilier tout le temps, je suis toujours en train de prier pour cette personne et j'ai la joie dans moi car je suis persécuté parce que je suis une mauvaise personne. Automatiquement, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui sont possédés pour démons, pour les esprits malins, ils vont vous persécuter. Le mal qui est dans la vie de quelqu'un va utiliser quelqu'un pour essayer de vous humilier, de vous persécuter, de vous critiquer, de vous offenser, de vous outrager. Le diable va utiliser cette stratégie pour
pour essayer de saler votre cœur. Au lieu d'être triste, au lieu d'être angoissé, au lieu de se sentir mal, au lieu de se sentir « Ah, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi maintenant ça ? Qu'est-ce que je... » Vous devez réjouir. Ici, dit qu'on doit réjouir, être dans l'allégresse.